Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Heureux de vous retrouver à ce mardi cinéma. Vous avez été fidèle à Jeudi cinéma l'année dernière. J'espère que vous serez fidèle à notre mardi cinéma. Eh bien, vous allez y retrouver des éléments nouveaux et des éléments anciens. Parmi les éléments anciens, il y a la présence de vedettes que nous aimons. Et ce soir, j'ai le plaisir de vous dire que Gérard Depardieu est avec nous. Mais les candidats, eh bien, les candidats, ce sont des représentants d'établissements scolaires, de ciné-clubs d'établissements scolaires. Et j'ai derrière moi quatre garçons et une fille du lycée Turgot qui joueront avec Gérard Depardieu. Je les applaudis. Oh là 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 là. Et en face... Et il n'y a pas que Gérard Depardieu, il y a aussi son complice de la chèvre, il y a Pierre Richard qui est avec nous. Merci Pierre d'être avec nous. Et oui, ils s'adorent tous les deux, vous le savez. Il va gagner, je le sens. Et Pierre Richard... Et Pierre Richard jouera pour un lycée qui est derrière lui et derrière nous. C'est le lycée Jacques Decourt. Quatre garçons et une jeune fille. Ah ben, voilà. C'est assez extraordinaire parce que j'étais au lycée Jacques Decourt. C'est vrai? Non. Ouais, il y a 50 ans. Alors le tirage au sort a bien fait les choses puisque tu vas représenter ce soir le lycée Jacques Decourt. Oui. Voilà. Et c'était un élève brillant, le jeune Pierre Richard. Non, j'étais foutu à la porte, mais ça, c'est, c'est autre chose. Mais j'ai quand même été. Eh bien, en tout cas, nous sommes heureux que vous veniez tous les deux baptiser notre émission Mardi Cinéma, car vous êtes tous les deux les représentants là, du grand succès de Noël, du grand succès de notre ami Weber, c'est La Chèvre. Ah oui. Oui, ah oui, oui. Les Français, c'est pas succès. Oui. Ah oui, il n'y a pas de mais. Comme ça veut même demander une suite, After Chèvre. On pourrait. After Chèvre, c'est bon, c'est ça. Intéressant, ça. Et... En tout cas, Francis Weber. Il a de la chance, hein. Ça fuse, hein. Ouais. Francis Weber nous avait dit, avant que le film sorte, qu'il souhaitait à tous les metteurs en scène le couple Richard Depardieu. Ça, c'est voilà. Francis. Oui, mais ça s'est vérifié dans le succès autant, du ouais. film. Hein vous ne souhaitez vous pas retourner ensemble. Non, on retourne avec Francis, mais... Oui. Eh bien, nous éclaircirons ce défi au cours de la soirée, d'ailleurs, bien entendu. Le jeu des ambassadeurs, vous y avez tous joué, c'est un jeu de salon, ça va devenir aujourd'hui un jeu de télévision, il l'a déjà été d'ailleurs. Le jeu des ambassadeurs, eh bien, Gérard Depardieu va essayer de mimer et surtout de faire comprendre aux garçons et à mademoiselle, qui est de Turgot, un titre de film. Alors, il s'agit d'un titre de film. Tout d'abord, Gérard vous précisera en 3, en 2, en 1, en 4 mots le titre, et puis il va vous le mimer. Et en 2 minutes, nous allons essayer de vous en faire deviner le plus possible. Attention, premier titre. Attention, top. Chronomètre. Comment? Regardez. Un titre en 4 mots. La soupe au canard, non? Non. Regardez bien. Comment? Non, mais c'est pas un film. C'est pas un film qu'il a joué, lui, hein? Non. Ah. Voilà. Stop chronomètre. Lève la cuisse. 30 secondes. Combien de 30 secondes. 30 secondes. Un titre. Allez, un autre titre. Ouf. Attention. Chronomètre. Attends. Ah oui, allez-y, dites-le. Pour quelques dollars de plus. Non. Tire-toi, non. Prends l'oseille et tire-toi. Non, mais c'est pas... L'argent des autres. L'argent des autres. Non.
Non. Pas de Bisbee. Tout sur Bisbee. Oui, ouais, stop, oh, c'est moi qui l'ai trouvé. On a encore combien de temps? Une minute. Une minute, deux titres. Attention, en voilà un autre. Oh. Un autre. Oh là là. Cinq. Ça, c'est une nana. King Kong. La belle et la bête. Oh, regardez-tu. Oh là là. Très bien. 1 minute 12. Il se mord, lui. Qu'est-ce qu'il mime bien, ce GG. Attention, le chronomètre repart. Allez-y. Le cornio. 5 mots dans le titre. 5 mots dans le titre. Bonjour, on est con. Vite. Les hommes préfèrent les grosses. Voilà. Elle sera courageuse. J'allais vous dire. 1 minute 40, 4 titres. Il reste encore 20 secondes. 20 secondes pour un titre. Oh, pardon. Oui. C'est parti. L'inspecteur a besoin. Oh, non. J'ai froid. La garde du feu, non? Non. Preuve de ça. Non. L'homme des cavernes. J'ai froid. Vous êtes tout prêts. L'homme des cavernes. Mais non. L'homme singe. Tarzan, l'homme singe. Terminé. Tarzan, l'homme singe, on l'a dit en même temps. Un singe en hiver. Non, je ris parce que je le répète, mais il y a souvent des personnes dans la rue qui disent « Mais c'est en direct votre émission !» Mais vous voyez bien que c'est en direct. Sinon, tout se déroulerait parfaitement. Il y a un petit souci avec le magnétoscope. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les mimes de Jean-Pierre. Ah, voilà. Alors, on va enlever nos petits micros. Parce que vous voyez, si on n'enlève pas nos micros, vous allez entendre... Voilà. Vous allez là-bas. Allez, viens. Et moi, je vais chronométrer. Et alors... Voilà. Alors, attention, lycéen de Louis le Grand, voici le... Tu es prêt? Je suis prêt. Tu donnes le nombre de mots du titre. Top chrono. C'est parti. La chèvre. Oui. La top chèvre. Chrono. 10 secondes. 10 secondes, très très bien. Alors attention, tu es prêt? Tu as compté ton nombre de mots? Chrono! Le diable par la queue. Stop! Le diable par la queue, c'était pas temps. 17 secondes de total. 17 secondes, on est à combien? 17 secondes et 2 points. Très bien. Alors attention, chrono! Allez, vite! Oui! Stop, chrono! Ah. Mais dites-le fort, les enfants, parce que sinon, on perd du temps. Combien de temps nous en sommes, Jacques? Vous en êtes à 25 secondes. 25 secondes. Ils font la 1 minute. Alors, on a déjà 3 points. Chrono! Oui. Dernier tango. Stop. Eh oui. 35 secondes, ils sont très rapides. Il nous reste 25 secondes pour trouver le cinquième et dernier titre. Chrono. Le vieux fusil. Yeah, ah, bravo.
je vais découvrir la musique, alors tu vas aller plus fort. Alors Catherine, tu vois, t'as compris? C'est un film rose. Je dirais que c'est un film rose et gris. Avec des moments de tendresse et des moments de mélancolie. Ah oui, avec oui, une certaine cruauté même par moments. Mais c'est un film avec beaucoup, beaucoup d'humour et de tendresse surtout. Cruauté vis-à-vis du showbiz? Non, non, cruauté uniquement pour, à cause du ton, d'une certaine côté un peu pointu comme ça. Des choses, il y a des choses assez dures. C'est pas une seconde et nous on enchaîne, oui. Ça continue le mouvement en fait. Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce scénario? Qu'est-ce qui m'a attiré dans ce scénario? Généralement, on me dit qu'est-ce qui vous plaît. Alors, je suis pas habituée à ce que la question soit posée directement. Généralement, on me dit qu'est-ce qui vous a plu dans ce rôle. Et je dis c'est le scénario. Et c'est vrai, d'ailleurs. C'est vraiment le scénario. Parce que je trouvais qu'il y avait un... D'abord, je trouvais qu'il y avait des personnages et qu'il y avait un ton et un charme, quelque chose de rond et quelque chose que je sentais bien, qui me plaisait bien, que je trouvais pas tout à fait... Pas tout à fait mon emploi, donc un peu décalé, ça m'attire toujours évidemment les choses que je sens que je peux faire, mais qui ne sont pas évidemment comme ça pour moi au départ. Ça m'intéresse davantage évidemment, parce que quand même au bout d'un certain nombre d'années, ce qu'on a envie c'est de pas seulement de surprendre les autres, mais de se surprendre aussi un peu. Allez, la dernière. Non, les tirs celui-là. Carole. Je ne crois pas. C'est très bordélique l'image là. Voici ce premier film de Laurent Ferrier. En voici quelques images pour situer l'atmosphère et les personnages. Eh bien, Miu Miu, Alain Souchon, je voudrais que nous situions le lieu du film. Tout d'abord, vous avez tourné où, Miu Miu? C'est moi qui réponds. Oui, c'est toi. Oui, c'est à vous que je pose la question. Où avez-vous tourné? Parce que le paysage a une importance considérable dans le vol du Sphinx. Oui, on a tourné à Ouarzazate, à Erfoud, à Taroudan et à... C'est tout. C'est le sud marocain. Oui, c'est bien. Hein, c'est bien. C'est le sud marocain. Je me débrouille très bien. C'est le sud marocain. Oui, c'est le sud marocain. Là, vous arrivez d'Angoulême, ce qui est tout de même plus près. De Mata, j'arrive. De Mata. Et nous venons de voir cet avion. C'est lui, le Sphinx. Le Sphinx, c'est l'avion, oui. Qu'est-ce que c'est, cet avion? C'est mon avion. Comment? C'est pas vous, le Sphinx? Non. C'est mon avion avec lequel je gagne ma vie. C'est un vieil avion russe. J'ai pas de licence de pilote, mais je vivote comme ça en faisant du transport pour les populations locales. Et voilà, c'est toute ma vie cet avion, je l'aime bien. Je suis plutôt un type renfermé, taciturne, je suis là avec mon avion. Et alors, bien sûr, mais ne ris pas comme ça. On vient de voir rapidement le pilote qui prend un premier contact avec les autres personnages qui vont être d'une telle importance dans tout le déroulement de ce film d'aventure et d'amour. Et dans les séquences qui suivront, vous allez faire beaucoup plus connaissance l'un et l'autre. Alors je vous propose que nous regardions quelques images d'une scène qui se situe quelques temps plus tard, après votre première entrevue sur... Comment c'est depuis le début? Mais moi je veux savoir, je veux comprendre. Faut pas vous gourer, hein. Je suis pas le genre de type qui prend des coups sur la gueule sans savoir d'où ils viennent. D'abord, qu'est-ce que foutait ce type là, malade, à Tinjad? Pourquoi t'as bousillé le Sphinx? Pourquoi t'as couché avec moi? Balek, Balek! Et ton mari, qu'est-ce qu'il a à voir là-dedans? Tu lui as dit, il est d'accord. C'est lui qui les a envoyés, les deux traînelates. Merde! Je veux rien savoir. J'en ai rien à foutre. On s'est tout dit. Moins on se verra, mieux je me porterai. Voilà.
Alors voilà situé des rapports vifs entre les deux personnages. Oui, assez vifs. Mais je dois dire qu'il y a tellement d'aventures, tellement de choses qui se passent dans le film qu'on alterne les moments tendres et les moments vifs. Mais il n'a vraiment pas beaucoup de chance, ce garçon, de tomber sur un personnage aussi mystérieux et compliqué que celui que vous jouez, Miu Miu. Qu'est-ce que c'est que cette femme ? Comment ça ? Qu'est-ce que c'est que cette femme ? C'est Laura. C'est... Laura, c'est une femme qui aime l'argent, je dois le dire. Ça sert, hein, c'est utile. Oui, qui aime l'argent et qui suit son mari là-bas au Maroc pour l'argent, non pas par amour, du tout pour son mari, avec qui elle s'entend très très mal, je dois dire, depuis un certain temps. Et elle rencontre cet aventurier. Et au début, elle ne l'aime pas complètement. Mais enfin, elle est irrésistiblement attirée par cet être. Vrai, par hein. Tom. Oui. Et je dois dire que cet amour est plutôt contrarié par les aventures à chaque fois qu'il nous arrive. Enfin, à chaque fois, ça nous empêche un peu de vivre notre amour qui est, je dois dire, assez profond. Et alors, ouais. Ce personnage, Alain Souchon, c'est un aventurier, mais c'est oui. Un brave aventurier. C'est pas un héros des temps modernes, hein, tout de même. Il va se révéler, il va se révéler courageux, mais... C'est un gentil, oui, mais oui, c'est un type, il vit dans un pays rude et tout, alors il y a tout le temps des aventures dans ce pays-là, mais au départ, c'est pas un bagarreur ni un méchant. Et puis, il est tout le temps sur un fil, il sait pas, il aime beaucoup cette fille, et puis visiblement, cette fille, il aime beaucoup, mais en même temps, elle cherche à l'utiliser, tout, donc il s'en rend compte, alors... par moment il craque et puis par moment il se reprend. Là, c'était un moment où je me reprenais. J'aimerais bien voir un moment où il craque. Ouais, mais, non, Marlène dit je voudrais bien voir un moment où il craque. Mais oui, il craque et il est très touchant. Il craque très bien. Et elle aussi craque. Mais en fait, ce qui vous a attiré dans ce film, c'est le mélange de l'histoire d'amour et de l'histoire d'aventure. Ouais, moi j'étais charmé par le fait que c'était écrit de manière très simple et très pure. J'ai trouvé que l'histoire d'amour, elle était presque tellement simple et tellement pure que c'était une stylisation, et l'histoire des bandits et tout ça aussi. Alors, autant de simplicité, j'ai trouvé que c'était très beau. Et puis en plus, ça a été filmé d'une manière très belle. Alors, je trouve ce film très beau, voyez-vous. J'ai lu dans Première un interview de vous. Vous dites que ce que vous aimez en particulier dans le cinéma, c'est l'occasion d'une aventure vécue ensemble avec une grande chaleur et une grande amitié. Ça compte, hein, ça. Ben oui, c'est vrai que dans le chanteur, on est un peu isolé, on prend les décisions tout seul, on est un peu seul, quoi. Bien qu'on ait des musiciens et tout, on est quand même très seul. Tandis qu'au cinéma, c'est un travail d'équipe, quoi. Le type qui a fait l'histoire, le type qui réalise, tous les comédiens. Puis on vit ensemble, loin. J'aime bien faire des films loin de Paris, comme ça on s'en va, on vit avec des gens qu'on n'a pas forcément envie de rencontrer au départ, puis on vit avec eux 2 mois. Et c'est assez marrant, surtout dans les conditions où c'était là-bas, quoi, isolé de tout, sans téléphone, tu vois, sans téléphone. Terrible. Non, c'est surtout toute une équipe qui ressentait les mêmes choses dans leur vie, enfin, toutes les difficultés, la chaleur, vivre dans le même hôtel, souvent sans eau, sans les tempêtes de sable. C'est toute une équipe entière de films qui subit les mêmes choses et ça nous a beaucoup, beaucoup rapprochés. C'est pour ça que c'est un peu un tournage magique pour nous. C'est ça. Donc, Le vol du Sphinx, c'est un très bon souvenir. Oh là là, mieux que ça. Merci, Miu Miu.
Eh bien, Sophie Marceau, voici donc Joyeuse Pâques. Et on vient d'ailleurs d'entendre une phrase qui éclaire, je crois, le départ du sujet. Mm-hmm, exactement. C'est qu'il vient d'accompagner sa femme à l'avion, ce monsieur. C'est ça, pour le week-end de Pâques. Et nous sommes en train de prendre connaissance, là, de Joyeuse Pâques, adaptée par Lautner et par Jean Poiret, exact. D'après la pièce de Jean Poiret. Et je vous avoue que j'ai très envie de voir le film, car la pièce de Jean Poiret, qui était superbe, admirablement jouée par lui, Maria Pacôme, Nicole Calfon, se passait entièrement dans un appartement. C'est ça, mais bon, je veux dire, à partir du moment où on en fait un film, il faut aérer l'histoire. Et je crois que Jean-Paul s'en est très très bien tiré. Il en a profité pour y glisser certaines cascades bien à la Belmondo, qui sont d'ailleurs très belles. Et puis bon, il y a aussi l'aéroport, le restaurant indien, comme on vient de voir. Enfin voilà, ça bouge beaucoup. Restaurant indien où notre ami Gérard Hernandez joue le rôle d'un curieux maître d'hôtel, d'ailleurs. Oui, très bien. Alors donc, le thème, ce monsieur va accompagner sa femme à la gare la veille de Pâques, je crois. C'est ça, pour le week-end de Pâques, oui. Et puis, il rencontre une jeune femme que vous jouez. Que je joue et qui, elle, vient juste de se séparer de son fiancé. Et donc, lui, il en profite, évidemment, pour la raccompagner, soi-disant, chez elle. Et bon, enfin, c'est pas chez moi qu'il me raccompagne, c'est chez lui. Et la maman rentre, enfin... sa femme rentre, oui. Parce qu'il y a eu des grèves dans les aéroports, je sais pas quoi. Et alors là, de là part tout le quiproquo du film. C'est-à-dire que... Parce qu'il me fait prendre pour sa fille. Voilà. D'un premier mariage. Il vous fait passer pour sa fille, mm-hmm. Et là vont commencer une série de situations hilarantes et compliquées où ce menteur est obligé de se retrouver, de prendre pied sur des îlots un peu plus solides. Ouais. Je pense que ça a dû être un grand plaisir de tourner avec... Ah oui, d'autant plus que bon, on était sur la Côte d'Azur, ce qui est encore plus agréable, le soleil, la mer, tout ça. Et puis Lautner est vraiment un metteur en scène d'une très grande tendresse. Et quant à Jean-Paul, je veux dire, il est drôle, bourré d'énergie. On a vraiment passé deux mois très, très, très agréables. Mais dites-moi, Sophie, pour une comédienne, car vous avez fait en quatre ans une carrière éclair, vous n'avez que très peu de films derrière vous, mais ce sont des films énormes. Comment vous êtes-vous sentie le premier jour où vous étiez devant Jean-Paul Belmondo, le Belmondo ? J'étais ravie de le connaître parce qu'on m'en parlait tellement et je le voyais tellement partout, sur les affiches, partout. J'étais très impatiente de le connaître. Et puis bon, au départ, les rapports ont été pas difficiles, mais timides et pudiques. Et puis bon, au fil des jours, on s'est de mieux en mieux entendu. Et à la fin, vraiment, on formait une équipe formidable. Tant mieux. Alors, je pense que ce film va partir au Japon, car au Japon, on compte beaucoup sur vous. La boom a fait un boom. Enfin, ça a été un triomphe là-bas. Oui, parce qu'ils ont une autre formule que la nôtre en France. Je veux dire, ils sont très, très, très star system là-bas. Et dès que quelqu'un leur plaît, alors c'est les fan clubs qui fleurissent partout, les petites cartes avec les signatures dessus. Enfin, ça prend des proportions énormes. Et la boom a vraiment marché là-bas. Et la boom 2, ça a encore été pire. Ça a tout cassé, vraiment tout. Alors, c'est-à-dire qu'au Japon, vous êtes un personnage aussi connu qu'en France. Sinon plus, oui. Sinon plus. Sinon plus, oui. Parce que c'est un pays très, 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 très jeune et tous les jeunes vont au cinéma, puis ils sont très friands des gens célèbres. Ah. Ça prend vraiment des grosses proportions. Alors, vous venez donc de travailler avec Jean-Paul Belmondo et dans quelques jours, vous allez travailler avec Depardieu. C'est ça. Pour un film Piala, oui. qui s'appelle provisoirement Police. Un film de Maurice Piala, Sophie Marceau, Depardieu. Mm-hmm. Eh bien, on attend ça. Mm-hmm. Mais pour l'instant, on va aller voir Joyeuse Pâques de Lautner et Poiret avec Sophie Marceau et Jean-Paul Belmondo.
Annie Girardot, parlons d'Adieu Blaireau. C'est le premier film de Bob Decoux, oui. Qui est auteur, musicien, mais qui signe là son premier film. Sa première mise en scène, oui. Pourquoi Adieu Blaireau, l'explication du titre? Eh bien, bon, vous savez que le blaireau, c'est un petit animal dont les poils ont fait le petit blaireau, quoi. Et donc, dans l'expression, enfin, par rapport à Bob, il me dit qu'évidemment, le blaireau est un petit animal qui fait des choses comme ça, précises, voilà, disons que... on va faire une adaptation pour le français. C'est vrai, un français, on dit souvent c'est un blaireau. Voilà. Mmh. Par exemple, en italien, on dit c'est un fusto. Bon, il y a des expressions comme ça. Disons, c'est un monsieur bon, qui est là, qui a ses petites habitudes, etc. Et qui fait son petit boulot, bobo, dodo, enfin, etc. Et il se trouve que, bon, adieu blaireau, pourquoi? Parce que d'abord, il refuse d'abord cette façon de vivre, et surtout parce que c'est quelqu'un qui, à un moment de sa vie, va, d'abord parce qu'il a une déception d'amour, et aussi parce qu'il a beaucoup de problèmes d'argent, et il se trouve dans une situation où il faut qu'il s'en sorte, et il va donc accepter de faire un contrat, c'est-à-dire, évidemment, d'exécuter quelqu'un. Et on va lui dire au revoir, parce qu'évidemment, il va aller jusqu'au bout de son défi, voilà. Et Philippe Lyotard est donc ce personnage, oui, ce personnage oui. bouleversant oui. d'ailleurs, oui. Qui s'embarque dans des choses qui le dépassent. Oui, complètement, oui. Et... C'est dangereux. Il va au bout de son pari, il va au bout de son contrat. Ouais. Le film est un film lyrique, musical. Oui. Un film d'amour, je crois. Qui se déplace dans un Paris nocturne, oui. Avec des décors auxquels Bob Decoux tenait beaucoup. Enfin, bah, c'est-à-dire que... Un théâtre qui a un rôle important. Voilà, oui, c'est un théâtre que nous avons bien connu. Et il part du Casino de Paris. Il part dans deux sens. C'est-à-dire qu'il a écrit ce film après notre aventure du Casino de Paris. Et puis il a fallu 2 ans pour le monter. Et il se trouve que, évidemment, dans le film, c'est un comédien qui joue un petit rôle comme ça au théâtre. Bon, c'est au Casino de Paris, bien sûr, qu'on ne dit pas que c'est le Casino de Paris, etc. Et donc, la fin se terminera donc au Casino de Paris. C'est-à-dire, le Casino de Paris qu'on connaît bien, c'est-à-dire les coulisses, les cintres, toutes les choses que le public ne peut pas connaître. Voilà. Ce Casino de Paris dont vous dites, c'est une aventure. Et c'est une aventure qui a été une aventure... Formidable. C'est vrai pour vous. Et ah, d'abord, il est ouvert et c'est comme ça qu'on a pu d'ailleurs. Ce qui était merveilleux, c'est quand on a tourné au Casino de Paris, on a retrouvé d'abord toute l'équipe qu'on avait, puisqu'on a rouvert le théâtre. Donc les gens, les machinaux, tout le monde était là. Et ce qu'on a retrouvé surtout, c'était nos costumes. Et ça m'a fait bien, parce qu'on avait été un peu foutus à la porte, quoi, faut bien le dire. Et on nous avait séquestré les costumes, par exemple, entre autres, nos décors aussi. Et si, quand on est venu tourner, on a retrouvé, il l'a mis d'ailleurs dans la scène, on a nos costumes que nous avions dans le spectacle. Ça a été pour moi un signe, pour moi c'était superbe. J'ai dit, bon ben, tu vois que jamais rien n'est perdu, et puis de toute façon quand t'as la foi et puis quand t'as raison, quoi, hein, faut bien le dire, et ben on y arrive, quoi. Alors voilà. Dans ce film, Annie, vous jouez un rôle qui est un second rôle. Mais oui, pour vous, votre présence y est beaucoup plus impliquée qu'en tant que comédienne. Oui, bah, c'est évident. Il est évident que, au départ, le film devait être fait, et je pense que l'important dans cette aventure, c'est que Bob fasse son film tout seul. C'est-à-dire que monte son film tout seul, puisqu'il y avait eu le Casino de Paris. Évidemment, j'étais là, puisque nous avons fait ça ensemble, et puis nous avons fait aussi d'autres spectacles. Mais là, il avait besoin de s'exprimer. Tout seul, parce qu'il en est capable, parce qu'il a du talent, etc. Mais il fallait qu'il passe la barrière, quoi. J'ai passé la barrière, hop là. Ouais. Ah, bon, bref. Je suis tombé derrière. Voilà, donc évidemment, il y avait un rôle qui était là, mais c'était d'abord important son sujet et surtout le blaireau. Bon, il y avait des personnages féminins, il y en avait deux. Il y avait donc le rôle de bébé, Brigitte, interprétée par Juliette Binoche. Il y avait un autre personnage qui était donc Colette, celui que j'interprète, et un autre Gigi. Il y avait trois dames, enfin, qui avaient des choses un peu épisodiques. Et quand Bob a monté son film, cette fois-ci, il y a eu Léotard, tout le monde avait signé. Alors j'ai dit, moi, alors maintenant, moi, je joue le rôle de Colette. Voilà. Eh bien... Ce doigt inquisiteur, ce doigt accusateur qui passait devant le fin visage de Pauline Lafont, oui. C'était ma main. Parce que je dois vous dire que, je vous le répète, l'émission se fait en direct et nous sommes en train de faire la course un peu partout. Et on vient de nous dire que Juliette Binoche, que Jean-Louis Trintignant et que Lambert Wilson viennent d'arriver. Ils ont quitté la projection du film et ils vont nous rejoindre ici.
Pauline, je disais à l'instant que pour tous les amateurs de cinéma, ça a été une vraie joie, une grande joie de vous découvrir. Depuis quelques années, vous aviez l'occasion de faire des rôles beaucoup moins importants. Et puis là, plouf, l'ami Chabrol qui avait bien connu Bernadette, votre maman, quand elle était une toute jeune comédienne, l'ami Chabrol a été heureux, je crois, de donner un joli rôle, un rôle important à Pauline. Ça s'est passé comment ? Formidablement bien. Moi, j'ai su que je faisais le rôle, ça s'est passé très vite parce que j'ai su ça une semaine avant. Et ça a formidablement bien démarré. Lui, il est formidable parce qu'il laisse complètement les gens jouer, les gens s'amuser et puis donne simplement une ou deux indications qui font que ça vous débloque l'imagination et qu'on y va et qu'on est rassuré, qu'on est content. Mais dites-moi, Pauline, vous et votre sœur, quand vous étiez chez votre maman étant petite fille, vous viviez dans cette ambiance de cinéma, vous rêviez de cinéma ? Non, pas moi. Enfin, je rêvais de cinéma, mais de loin parce que j'étais élevée par mes grands-parents jusqu'à 12 ans. Oui. Alors c'était comme ça, de loin. Là-bas, à Nîmes ? Oui, à Nîmes. Et ensuite, quand vous... À Nîmes, comme... Et quand vous êtes montée à Paris, vous accompagnez Bernadette sur des tournages ? Non, pas beaucoup, j'étais en pension. Ah bon ? Oui. Oh, c'est sérieux tout ça. Oui, oui, mais j'avais envie. Non, j'étais très contente d'être en pension. Et puis le cinéma est arrivé comment ? Et le cinéma est arrivé en prenant des cours avec Claude Confortès. Et c'est ce qui m'a donné envie de jouer, parce qu'avant, je n'avais pas du tout envie de faire ça, j'avais envie de chanter. Et c'est en jouant que j'ai envie de jouer. Donc, vous êtes au festival, mais à la vérité, ce n'est pas la première fois que vous êtes au festival. Vous y étiez déjà l'an dernier. Oui, j'étais l'année dernière au festival pour présenter un court-métrage de Sylvain Madigan, Balade sanglante. Et cette année, c'est un long. C'est un long métrage. Et oui. Qui est présenté quand ? Vendredi, je crois. Vendredi. Et ben voilà. Nous souhaitons le plus vif succès à Poulet au vinaigre. Et nous vous souhaitons, Pauline, une carrière comme vous la méritez et comme nous avons envie qu'elle se passe. Merci. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Nous sommes heureux de vous présenter depuis le 38e Festival international du film à Cannes, Mardi Cinéma, présenté par Pierre Tchernia et Jacques Roulant. Eh bien... Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Heureux de nous trouver là en direct dans la salle des ambassadeurs, c'est-à-dire la plus grande salle qui soit pas une salle de cinéma, car les salles de cinéma sont très considérables, mais elles sont très occupées. Je peux vous dire qu'actuellement, dans les minutes qui viennent de s'écouler, a commencé dans le grand amphithéâtre Lumière la présentation du film de Téchiné, Rendez-vous, avec Jean-Louis Trintignant, Juliette Binoche, Lambert Wilson, qui vont nous rejoindre dès que le film sera commencé pour participer à notre émission. Nous sommes vraiment en direct avec les aléas et les joies du direct. Eh bien, nous sommes dans cette salle des ambassadeurs, un public charmant, souriant, adorable, bien sûr, ils sont là, ils vont faire l'émission avec nous, et je vous annonce dès maintenant nos amis qui sont ici. J'appelle Pauline Lafont. J'appelle Pauline Lafont et Sandrine Bonner. Eh bien, moi, j'ai le plaisir de vous présenter Carole Laure. Carole Laure qui arrive du Canada. Et Fanny Cottençon. Eh bien voilà, nous allons donc faire notre émission de Cannes et vous présenter un peu l'actualité du festival, encore que vous la connaissiez, car le journal télévisé, au cours de ses 3 éditions, grâce à France Roche, vous tient au courant de tout ce qui se passe à Cannes. Nous allons vous tenir au courant de l'actualité de Cannes, mais surtout de l'actualité cinématographique, car il y a beaucoup de films qui vont sortir, comme on dit.
beaucoup de films qui vont être présentés sur les écrans français et qui ne sont pas au Festival de Cannes. Mais à propos du festival, je voudrais que vous nous excusiez à l'avance si par hasard vous voyez des séquences de films nouveaux que vous avez déjà eu l'occasion de voir dans d'autres émissions. Le travail est à la fois plus excitant et un petit peu plus compliqué qu'il n'est quand nous sommes à Cannes. Jean-Claude Brialy, là, au festival, vous n'êtes pas là à titre de comédien, mais à titre d'animateur. Oui, car non. Vous avez pris... Ça, c'est vous qui le dites. Mais Jean-Claude... Non, je suis là comme comédien, parce que moi, j'aime beaucoup les autres comédiens. Et je trouve qu'il faut essayer de faire le trait d'union entre ceux qui ne se connaissent pas, et comme je connais beaucoup de monde, j'ai la réputation d'être mondain, c'est simplement que je sors beaucoup, que je suis curieux, et que je suis content quand je peux présenter tel ou tel... J'ai pu présenter comme ça Jeanne Moreau à François Truffaut ou Isabelle Adjani à François Truffaut. Et que quelquefois, de là naisse un film. Tinté Chiné, il a connu Adjani grâce à moi. Alors je suis content quand on peut mettre en rapport les acteurs, les actrices qui sont timides, qui n'osent pas, qui ne connaissent pas. Et puis, tout de même, Cannes, c'est un lieu de rencontre où on se perd, on se retrouve dans les couloirs des hôtels, comme dans la règle du jeu. Il y a des grands couloirs avec des chaussures qu'on a envie de changer. Mais on ne s'amuse pas beaucoup, on travaille beaucoup. Alors il y a des endroits, comme le club Maxime's à midi, où je reçois un peu avec Monsieur Viau, le président. Et puis le soir, il est là, derrière le... On l'entend au club des ambassadeurs, au club du festival, où il reçoit tous ses amis, où ils peuvent dîner, boire un verre. Alors c'est un petit peu la fête, quoi. Jean-Claude, c'était quel festival, votre premier festival votre C'était premier... en 1957. C'est là où j'ai rencontré un garçon qui était très beau, et qui était avec moi, pas acteur, et chaque fois que nous sortions ensemble, alors que moi je tournais depuis un an, on ne regardait que lui. Alors je lui ai dit, écoute, tu devrais faire l'acteur, c'était Delon. Et puis on ne nous a pas laissé entrer sur l'ancien palais, parce qu'on n'avait pas de carte. Et l'année suivante, on s'est rattrapé, parce que lui, il avait une carte. Alors moi, j'étais derrière et je rentrais grâce à lui. La vie est un petit mouvement. Mais il y a une chose que je voudrais dire, il y a une phrase très belle de Colette, à propos de Monte Carlo, qu'on pourrait dire... À propos du festival de Cannes, elle disait « J'aime Monte Carlo parce que les frontières y sont des fleurs. » Et je crois qu'ici, à Cannes, au festival, l'important, c'est qu'il n'y ait pas de frontières. Chaque fois qu'on voit un acteur, de quelque pays qu'il soit, on se parle, on boit un verre, et on ne se demande pas la couleur politique, on lui parle de son film, de ses projets, de ce qu'il a fait. Et ça, c'est un grand bonheur. Nous sommes au tout début du film. Oui. Et nous venons de voir se poser les deux personnages, une rédactrice en chef présentatrice du journal de 20 heures sur une chaîne de télévision et un journaliste spécialisé dans les grandes enquêtes, j'ai l'impression. Oui, un journaliste d'enquête plus que de commentaire, quoi, une sorte de je sais pas, moi j'avais pensé à De Rogy, que je ne connais pas, mais enfin ce genre de personne qui fait des enquêtes un peu poussées sur certains sujets. Nous apprendrons au cours du film qu'il y a eu une liaison ancienne entre ces deux personnages, mais ce que nous allons découvrir aussi, bien sûr, c'est toute une action d'espionnage, une action politique qui va se passer, oui, et sur laquelle la presse va justement avoir un effet déterminant. Mais quels sont les rapports qui vont unir ces deux personnages ? Vous pensez qu'ils ont eu une histoire ensemble? Oui, on peut le penser. Enfin, on l'a pensé, nous, oui. On l'a pensé. Et puis, moi, je pensais que le passage de Philippe, il l'a initié au journalisme. C'était un peu son maître, quoi. Et puis, elle est devenue très célèbre. C'est une grande journaliste politique. Elle est très compétente. Elle a l'admiration de toute son équipe, tous les gens avec qui elle travaille. Et puis, c'est quelqu'un d'assez seul. Tu m'arrêtes, c'est... Oui, je t'arrête si tu dis une connerie. Elle est assez seule, elle n'a que des amants de passage, elle n'a pas d'enfants, et elle a tout mis sous son enjeu et toute sa passion dans ce métier où elle est très, très brillante. Mais dès qu'elle va avoir un grand problème, enfin, elle va retrouver cet homme, et je crois que... Enfin, c'est ça, elle va essayer de renouer avec lui, avec l'amour qu'elle a eu pour lui. Ce marège que joue Michel Subor, ce marège que nous avons vu dans l'auto, il va avoir lui aussi un rôle important. C'est un... Oui, c'est un truand. C'est un truand qui va être impliqué, ou tout au moins que le pouvoir, alors lui-même, va vouloir impliquer dans un fait divers politique qui met en cause le pouvoir, le gouvernement en place. Et le personnage que joue Nicole et le mien avons des documents qui prouvent que
il n'est pas impliqué là-dedans et que le gouvernement essaye de faire croire quelque chose, essaye de se décharger de quelque chose de pas très propre sur le dos de ce truand. Et le film, bon, c'est les retrouvailles de ces deux personnes, ces deux journalistes qui donc se sont aimés, on peut le penser, il y a quelques années, et qui se retrouvent, et c'est leur cheminement ensemble, le chemin qu'ils font ensemble, en traitant à la fois cette affaire, chacun à leur manière, parce qu'il y en a un qui est de la presse écrite et l'autre de la presse télévisuelle, et leur rapport à eux propres, leur rapport sentimentaux. Ah, ouais. Alors, dans le film, on évoque aussi la différence de statut, la différence d'image qu'il y a entre ceux de la télévision et ceux de la presse écrite. Il y a une scène qui se passe dans un restaurant où on vous trouve tout de suite une table parce que vous êtes la présentatrice du journal et que... Alors oui, que Philippe, lui, est un visage... Oui, c'est un visage inconnu, même s'il a l'estime de ses confrères et de certains de ses lecteurs. Ça n'en est pas pour autant une star, alors que Nicole, oui, par le fait qu'elle présente le journal tous les soirs à 20h, est devenue une véritable star, oui, de l'information. Elle en est contente, cette gloire, quoi. Enfin, elle s'en amuse, elle est quand même trop intelligente. Et lui, ça l'agace un peu, disons le mot. Voilà, ça l'agace un peu. Ça l'agace un peu. De l'avoir comme ça, aux prises avec les autographes, les gens, tout ça, elle est un peu... Oui, le rapport se fait un peu là-dessus, c'est un peu comme dans les comédies américaines, quoi. Ils sont agacés l'un par l'autre, ils se cherchent, ils s'opposent beaucoup et ils s'aiment plus tard, quoi. Il n'est pas question qu'on raconte le sujet de l'intime. Cherchez pas mon approbation chaque fois. Si, c'est bien. Oui, parce que c'est ça, oui. Parce que vous continuez en fait le personnage, le papa, oui, le professeur. Voilà. Mais ne révélons pas la fin du film, non, parce que la fin du film nous entraîne psychologiquement à des changements de situation. Oui. Enfin, il y a une chose très, très, très bien à la fin du film, quoi. Pour le personnage que je joue. Un cynisme que je trouve très... très formidable, quoi. Un peu contraire à tous les... Pensez à tous les clichés. À des choses plus héroïques, oui, c'est ça, plus sentimentales. Et elle a un cynisme que je trouve très, très passionnant, quoi, très... Voilà. En tournant vos personnages, vous avez eu le sentiment de retrouver des choses que vous aviez vues, que vous connaissiez, ou de vous promener dans un monde complètement nouveau. Je veux dire que vous avez essayé de prendre des attitudes ou des gestes que vous aviez déjà remarqués chez des gens de ces professions-là. Vous avez complètement recomposé le personnage. C'est-à-dire, Nicole, c'était un cas un peu à part puisqu'elle présentait le journal, donc c'était dans des limites et dans un cadre dans lequel on ne peut pas faire les pieds au mur. Je veux dire, c'est assez semblable à ce qu'on peut voir dans toutes les télévisions du monde. Il y a un ton quand même, il y a un ton dans l'information. Oui, j'ai quand même beaucoup regardé Christine de Crainte à ce moment-là, Magnon Tell. Il y a un ton. On s'en rend pas très bien compte dans le film, mais... ce qui était bizarre, c'est de choisir pour dire des informations très précises quelqu'un qui a une articulation déplorable. Oui. Enfin, ça, je veux dire, c'était le metteur en scène. C'est la gageure du film. Oui, c'est la gageure. Et puis, quant à moi, non, je n'ai pas traîné dans les scènes de rédaction. Il y a un rédacteur en chef, d'ailleurs, que joue Roland Blanche, qui est un personnage... Ah oui, oui. Ah oui, il est très, très bien, Roland. Oui. Là, il y a quand même une petite... Un petit hommage à Lazareff quand même par le genre de personnage, tout au moins dans l'idée des auteurs, je pense. Le quatrième pouvoir, donc, de Serge Leroy. C'était pas tant. Le roi, c'est Michel Aumont. Ah, il est formidable. Et sa fille, c'est vous. Ouais. Et alors, qu'est-ce que c'est que cette jeune femme? Elle est naïve, elle est... Je ne comprends pas pourquoi je ris comme ça. Non, jeune femme, une princesse. Messieurs, dames, je vous prie un peu de silence. Nous en parlerons de tout ça tout à l'heure. Bonjour. C'est une princesse. Très distinguée, princesse. C'est une princesse? C'est juste un merde. Et voilà. Et cette princesse voit arriver dans sa vie un playboy. Oh, fous-nous la paix, merde. Alors Thierry, qu'est-ce que c'est ce playboy? Eh bien, c'est un playboy qui a... C'est difficile. Dans ces conditions-là, c'est très difficile. C'est un playboy qui, à la suite d'un pari, va... Et playboy. Et playboy. Comme je l'ai dit précédemment. Il va la troncher, comme là, avec trois goûts, voilà. Bon. Et après, il y a des ennuis. Enfin. Alors, Fabien, arrêtez, c'est terrible, arrêtez. Enfin.
Thierry, il fallait que tu vendes des choses là. T'es venu avec le bouquin. Alors écoutez-moi. Je lance des confettis chaque fois que j'achète 0 matériaux. Ce Playboy intervient donc dans l'existence de cette princesse, dans cette cour, et ils vont en arriver à s'épouser. Nous allons regarder la répétition du mariage, car tout se doit se passer dans la convention bien établie. La carrière du musical t'a empêché de faire tout ce que tu aurais aimé faire au cinéma. Est-ce que tu le regrettes ? Ben oui, je le regrette, j'aimerais faire les deux. Par exemple, là, je faisais allusion, comme ça, de façon narquoise, à trois hommes et un couffin, mais je les sec, parce que Colin Serrault m'avait proposé un rôle dans le film. Le type qui le joue est formidable. C'est pour ça, je suis ravi pour lui. Enfin, quand je dis que je suis ravi, je ne peux pas faire rien. Mais enfin, j'ai attendu pendant un long moment, parce que le film, au départ, paraissait fragile, et que très peu de gens étaient intéressés. Moi, j'étais très intéressé, vu que c'était très drôle, très fort. Je ne savais pas que ça ferait le triomphe de l'année, mais je savais que ça serait bien. Et j'ai pas trouvé de camarade pour venir jouer avec moi au sable. Et donc, nous, dans le music hall, c'est vrai qu'on a, on n'est pas toujours en chômage. On a du travail, on a des contrats longtemps à l'avance. Et j'ai essayé de tenir le plus longtemps possible. Puis après, il a fallu que je signe. Et puis c'est trop tard, ils ont fait le film. Et c'est un triomphe. Et je suis ravi pour eux, mais si on va en parler, je suis un peu amer quand même. On va parler longtemps de cette histoire de trois hommes et un couffin. Bien fait pour tous les gens qui n'ont pas eu confiance. Oui, cet immense succès bien dont fait personne pour, voulait. Pour les gens, les producteurs, les distributeurs, tous ceux qui regardaient arriver ça de très haut et qui l'ont eu dans le cul une fois de plus. Tu veux dire qu'ils ont été embarrassés, c'est ça? Thank you.
Et maintenant, parlons de la caméra cachée. Les personnes qui assistent souvent à Mardi Cinéma savent que, de temps en temps, nous faisons des éliminatoires pour notre jeu Monsieur Cinéma, qui va avoir lieu tout à l'heure, d'ailleurs. Et il y a 15 jours, nous avons fait des éliminatoires un peu spéciales, parce que nous avons, on dit un éliminatoire, pardon, j'ai dit des éliminatoires un peu spéciaux, d'ailleurs, parce que j'ai en effet posé des questions complètement farfelues aux candidats, avec des films qui n'existent pas du tout, mais qui n'existent absolument pas, ils ne pouvaient donc pas répondre. Et il y avait bien sûr une caméra cachée qui filmait les réactions de ces candidats, qui se demandaient bien ce qui leur arrivait. Voici donc ce film, tourné il y a 15 jours, ici, à l'Empire. Bonjour. Monsieur. Bonjour ici. Alors, je vais vous poser quelques questions. Après, il y aura un questionnaire écrit, hein, avec peu de choses, mais là, quelques questions comme ça pour voir. On va difficile, exprès, des fois, pour voir. Votre nom, c'est qui? Torjman Gorine. Torjman. Ah, mais quand même, d'accord. Dans le film « Deux hommes et deux destins » de Sidney Pollack, qui jouait le rôle de l'aventurier aux côtés de Robert Redford? Dustin Hoffman. Non, ce n'était pas Dustin Hoffman, non. Non, c'était un piège. C'était Robert Redford lui-même qui jouait les deux rôles. Ah. Oui. Ouais. Alors, pas la même chose. On va difficilement, on va aller de plus en plus simple. Titre du film de Maurice-Georges Dupertuis avec Daniel Robert et Gérard Boulet, tiré d'un roman de Jean-Charles Lamounier. Bon, vous connaissez, pas grave, je vais vous dire, parce que c'était tout ça. C'était un questionnaire bidon. Ces films-là n'existent pas. C'était pour la caméra cachée. On avait caché des caméras et là, on faisait un petit gag pour ça. Ah. Ah, c'est extra, ça, c'est extra. Rien que des films qui n'existent pas. Le pire, ce qui m'a fait le plus rire, c'est quand vous m'avez dit Robert Redford qui jouait deux rôles à la fois. Oui, oui. Et je me disais, pourtant, je connais assez bien le répertoire de Robert Redford. Je connaissais. Qui ne l'aime pas, il est tellement chouette. Première question. Je vais vous demander le titre du film de Jacques Demy dans lequel Albert Brajkovic était le fils de Jean Marais. Moi, Jacques Demy. Oui, ben. Préfère le cinéma américain. Oui, d'une part, au mieux, français aussi, mais c'est pas. Titre du film de Jimmy Roberts avec Benes Gordon et Constance Barnett, tiré d'un roman de John Loggins. Film de Jimmy Roberts, Benes Gordon et Constance Barnett, tiré d'un roman de John Loggins. Non, je vois. Je ne voyais pas. Alors, continuons. Titre du film de Jean-Luc Godard avec Lucien Bodard, Paulette Godard et Humphrey Bogart. C'est récent, ou ça? Et non, c'est pas récent du tout. Non. Masculin féminin? Non, c'est pas ça. Non, non, non. Film de 72. De Jean-Charles Dupertuis. De Maurice-Georges Dupertuis. Tiré d'un roman de Jean-Charles Lamounier, avec Daniel Robert et Gérard Boulet. Alexandre Guénon. Ah non, ah non, non, ça c'est du Robert, non, ça s'appelle le trottoir d'en face. C'est mon préféré du cinéma américain. Bon, acteur principal du film écrit et réalisé par Claude Dubut, en 63, qui s'appelait Un homme seul. J'aurais dit Delon. Non. Faux. C'était pas de nom, c'était pas de nom, c'était Ventura. Un Ventura, oui, j'ai vu le film, exact. J'ai porté. Et vous avez aussi des bouquins de Cassadio avec Gianpaolo Fumaroli et Claudia Solini, dont l'action se situe à Palerme, film de 72. Le réalisateur, pour me le rappeler, s'il vous plaît. Vittorio Cassadio. Je passe à Palerme. C'est pas facile, hein. Non, non, là, là on va difficilement, difficile exprès, là, pour voir un peu. Non, je ne vais pas dire de titre. Non. Non, je... Ça s'appelait Rendez-vous à Palerme, tout simplement. Ah oui, il est connu. Alors, je vais vous demander le nom du comédien qui s'élève en compagnie de Jean Gabin dans le film de Julien Duvivier, Au-delà de la nuit. Je crois que c'est Lino Ventura. Non. C'est pas lui. C'était Raymond Rouleau. Ah bon? Oui. Raymond Rouleau, mais vous appelez pas Jean-Pierre Rouleau? Roulant. Roulant. Ah oui. Non,
Non, Rouleau, c'est comme... Ah bon, j'ai confondu alors. Oui, mais c'est pas grave, c'est pas grave. On vous en veut pas, continuez. Je vais vous demander maintenant la partenaire féminine de Christian Cardin dans le film de Bernard Turlin, Vacances en Bretagne. Je crois que c'est... comment elle s'appelle? Marie-Christine Barou. Il me semble bien. C'est ça? Bravo, bravo, très bien. Continuons. Un petit film américain maintenant. Et dans le film de Deux hommes, deux destins de Sidney Pollack, qui jouait le rôle de l'aventurier aux côtés de Robert Redford? Alors là, c'est... pourtant, je le sais. C'est Robert Redford et Paul Newman. Robert Redford et Paul Newman, bravo. Très bien, très bien. Bon. Alors, un dernier. Oh non, c'est pas la peine. Je vais vous dire, tout ça, c'était bidon, de toute façon. C'était pour la caméra cachée. Comme ça. Ah bon? C'est un petit questionnaire bidon. Moi aussi, mais je répondais n'importe quoi, ça tombe bien. Tombé, c'était pas ça du tout, parce que ça n'existe pas. Ah bon? Maintenant, vous allez faire un vrai questionnaire là-bas. Devinez qui est aux côtés de Jacques Legras. Vous allez le savoir dans un instant. Oh, très vite. Oui. Alors, regardez. C'est connu, c'est Coluche, l'ami Legras, toujours un policier. Et Coluche nous a fait l'amitié de venir faire un sketch avec nous. Alors raconte ce que tu vas faire. Eh ben, je vais l'injurier en lui disant qu'il m'a collé une contravention alors qu'il était là pour garder ma bagnole. Et je vais l'injurier, je vais voir les gens ce qu'ils disent, quoi. Hein? Voilà. Oui. Ah ben d'accord. C'est bon, t'es prêt? tu vas dire enfoiré. Que tu... Bon, ben... Alors, la rue Jean Mermoz. Ah, je vais y arriver. Dis donc, imbécile, c'est toi qui m'as mis une contravention? Non, mais franchement... Tu m'as pas mis une contravention à ma bagnole? T'as pas reconnu ma bagnole? Bah, si vous étiez mal arrêté, normal que vous ayez une contravention. Hein. Tu me vouvoies quand il y a des clients, maintenant? Normal. Tu te fous de moi? T'as pas vu que c'est toi qui m'as vendu cette voiture? Tu devrais la connaître, quand même. Les enfants sont mal élevés, à l'heure actuelle. C'est mon père, cet andouille. Vous le croyez, ça? Pauvre con, regarde ça! Tu m'as mis une truc de 150 balles, je vais même pas me la faire sauter! Regarde, je suis garé là, je suis ici. Vous avez compris? Oui. Ah ben vous avez de la chance parce que lui, il comprend rien, ce pardouille. Eh, dis donc, pauvre con, c'est toi qui m'as collé une contre-lance? T'as pas vu que c'était ma bagnole? Mais c'est incroyable, t'es vraiment un âne. Mais comment t'as pu rentrer dans la police? Tu peux me dire? C'est mon père. Les enfants, déjà vu plus les que ça? Ma bagnole, à moi, il m'a mis une prune, cet andouille, regarde. Bah si t'étais mal arrêté... C'est mon frère! Il me met une prune à ma caisse. T'es vraiment un âne, papa. T'es vraiment un âne. Allez, écoute, je me casse, tiens, tu m'énerves. T'es vraiment trop con. Oui, mais tu me promets que tu vas la payer, ta contravention. Mais de la merde, tu l'as payé, tiens. Je vais pas déchirer ça. Mais je vais me gratter, qu'est-ce que tu veux que je paye? Bah, c'est normal, c'est un âne, il met une contravention à ma bagnole. On est ensemble, hein? On est ensemble, il met une contravention à ma caisse. C'est vraiment des enfoirés, il l'a dit. Il l'a dit, c'est vraiment justement. Vous êtes des enfoirés dans la police, c'est sûr. Certains. Dis donc, t'es con quoi? Tu m'as mis une prune. Eh, hey, t'as pas vu que c'était ma bagnole? Comment? Bonjour, monsieur. Ça va, cool. Ça marche, les affaires? Ouais. Mais il m'a mis une contravention, cet andouille. Regarde, t'as pas vu que c'était ma voiture? C'est Coluche, bon. Faut pas lui mettre de contravention. Madame, oui, madame Marion. Il est vachement gentil. On n'a pas en France. Ah, Rupert, je vais vous dire. Dis donc, t'es con quoi? C'est toi qui m'as mis une contravention? Mais t'es con quoi, franchement? T'as pas vu que c'était ma bagnole? Bah, elle est mal arrêtée, cette voiture. Mais elle est mal arrêtée. Comment tu veux qu'on l'arrête bien? Il est là pour garder nos bagnoles pendant qu'on travaille, et ce con-là, il nous met des contraventions. C'est vraiment un âne. Vous faites partie du tournage? Bah, évidemment qu'on fait partie du tournage. Oui, alors... Quand il y a une bagnole, elle gêne, quoi que ce soit. Ben bien sûr, mais il est là pour les garder, pour pas que ça gêne, justement. Ouais, je il nous met des contraventions, cet andouille. Ouais, je vous connais pas. Mais ben, t'es vraiment un âne. Qui est sous vrai... Je m'en fous, je les paye pas, c'est pas pour dire. Moi, je les paye pas, mais c'est pour dire que t'es vraiment un âne. Il nous garde nos voitures, ce con. Non, mais vous avez déjà eu plus con que ça, vous? Oh, enfin. Ah, enfin. Ils sont bien gratinés aussi. Ils sont bons, hein. Non, ici, ils sont bons, hein, on a de la chance, on est tombé sur un lot. Hein. On lui dit de garder nos bagnoles, ce qu'on a, il nous met les prunes. T'as pas vu que c'était la mienne? Bah, et comment, je sais, vous m'avez pas mis un nom dessus, vous m'avez pas mis votre nom? Bon, je vais mettre son nom, alors, ma poule, je vais mettre mon nom. Excuse-moi, je t'ai dérangé pendant ton travail? Alors, je vais vous dire ça, avenue Montaigne. Dis donc, t'es con ou quoi, t'as aligné ma bagnole? Ouais, vous étiez mal garé, ça, ouais. Évidemment, je suis mal garé, et quel âne. On travaille là, il garde nos voitures, et il met une prune à moi, et...
On fait un tournage pour la caméra invisible. Ce con-là, il garde les bagnoles, c'est lui. Ils ont envoyé un légume, ils ont dit, bon, ben, on va envoyer un con. Et alors, il garde nos voitures pendant qu'on travaille, il m'aligne. C'est pas vrai. C'est pas des enfoirés, ça. Non, mais moi, je m'en fous, je le paye. Mais... C'est pour dire que c'est vraiment des cons. Vous comprenez, Marie, je sais pas, Coluche ou un autre, machin, je fais une contravention. Mais faut pas faire ça, t'es là pour travailler avec nous, tu gardes nos bagnoles. Mais alors? C'est vraiment pas raison. C'est incroyable. Faut pas arrêter votre voiture n'importe où. Ma bagnole, elle est pas plus mal garée qu'une autre, de toute façon. Mais moi, bon. Le président, il s'arrête là, je lui colle une amende s'il est mal arrêté, hein. Bah alors, on est là pour ça, là, l'amende. Vous savez, hein, de voir comme ça, c'est la première fois, non? Hein? Plus con que ça. Le président, il s'arrête, il met une prune. Alors, vous m'avez dit, vous voulez? L'avenue Montaigne. L'avenue Montaigne. Ben c'est là, c'est là, il est du quartier, il connaît pas le quartier. L'avenue Montaigne, c'est là, alors tu montes là. Non, tu permets. C'est la deuxième gauche. C'est moi qui suis là pour enseigner, je vois. Oui, ben d'accord, alors, mais j'ai l'avenue Montaigne, c'est là, vieux. J'ai l'air de quoi autrement alors? Ben on te l'a dit, t'as. Ben, j'ai qu'à alors je te donne la casquette alors. D'accord, allez, on change. Ben je te donne la casquette alors. Alors donne le renseignement à madame. Alors donne le renseignement. Alors donc, vous avez l'avenue Montaigne, vous montez ici, c'est la deuxième à gauche. C'est très simple. Bah t'as l'air intelligent avec cette cassette. Évidemment j'ai l'air intelligent avec une cassette de fille. Ça c'est sûr. Merci. De rien, mon poule. Ça m'a fait plaisir. Allez, fais gaffe à ma moustache. Mais t'as dit que c'était pour Antenne 2. On était filmé pour la caméra cachée, tu l'as dit? Tu la vois la caméra? Ah ouais. Tiens, regarde. Tu la vois pas là? Ah bon? Oui, oui. Dans le camion. C'est pas vrai. Si. Vous connaissez Jacques Poulain? Bonjour. Alors, ce trio entouré de quelques autres... Est-ce que je, tout de suite, je voudrais dire quelque chose de très important? Vous avez dégagé sa réponse. Oui, il faut dire quand même, il y a une petite histoire. C'est que j'ai vu le film avant de l'accepter. Ah bon? D'habitude, on ne lit pas, mais maintenant, je ne lis plus les films. Oui. Je les vois. Et j'ai pas, évidemment, ce film, je n'ai pas voulu le faire. Et c'est mon frère que vous avez vu. Jules Serrault. Le Serrault. Voilà. Donc, je voulais préciser ça parce qu'il y a des choses vraiment qui ont des limites. Oui, ça, c'est rien. Jules Serrault. Et ça, c'est rien, il paraît. Mais mon frère m'en a parlé, il se pense des choses incroyables. Ah oui. Mais je voudrais. Enfin, c'est une bavure. Comme il est sympa, votre frère. Oui. Je voudrais aussi préciser que mon personnage, je ne suis pas, vous l'avez remarqué, c'est très très bien fait, je ne suis pas en chair et en os. Non. C'est du dessin animé. Mon personnage est un dessin animé. Entièrement fou. Donc on ne peut pas s'en prendre à moi s'il y a des bavures. Oui, ils sont tous dégonflés. Moi, j'étais la seule. Oui. Présente. Mais vous, chère Jeanne, qu'est-ce que vous êtes là-dedans? Vous êtes une dame patronesse. Oh non, je suis une accompagnatrice. Une nouvelle dame. Vous appelez major. Je suis une nouvelle dame patronesse. Je suis une nouvelle. Et une ancienne. Oui, non. Il y a un nom. Non, je suis vraiment. Désespérément amoureuse de l'élévation. Oui. Ah. Et du joli prêtre qui est là. Le prêtre un petit peu. Qu'est-ce qu'on t'appelle l'élévation? Non, mais ça c'est entre son frère et moi. Oui, plus d'accord. Bah, oui. Ça a été une belle histoire. Mais... Oui. Là, il est peut-être bon de préciser que tout ça se passe dans un train qui va à Lourdes, puis ensuite à Lourdes. Oui. Et où nous que sommes haïs d'ailleurs. Les personnages principaux de cette entreprise sont... n'ont pas des raisons tellement élevées de se rendre à Lourdes. Ah ben, sont des voyous. Ah, moi, si. Sont des voyous. Non, excusez-moi, non, pas mon non, frère. Pas toi non plus, non. C'est quand même un escroc aux assurances. Ben, voilà. Travail, poursuivi par un agent, par un patron d'assurance. Se joue si bien le petit Jean-Luc Jules Serrault. Oui, car enfin, c'est dans une ambiance qui est extrêmement élevée sur le absolument, plan des sentiments. Oui. Moi, je suis le chef d'une association religieuse et c'est moi qui décide de l'emmener à Lourdes pour qu'il soit miraculé. Oui, c'est ça, et c'est son grand espoir. Oui, oui. Et je dois dire que nous avons tous tourné ce film avec une grande foi, une grande ferveur religieuse. Oui, avec une énergie folle. Il y a des moments où on voit mon âme, même, carrément. Absolument, oui. C'est fou. Hein. C'est vrai, un petit fantôme d'image. Ça n'est pas de Jimmy Dicriquet, c'est mon âme. C'est ça. Eh bien, elle est éblouissante, cette âme.
Quant à Jules Serrault, il faudra lui faire nos compliments. Ben oui. Mais pourquoi il ne parle pas? Il disait les textes parce que vous n'en voyez pas, on vous l'a expliqué. Oui, oui, il est muet. Il a reçu une balle dans le... Ça doit être tout de même un peu dommage pour un comédien de ne pas s'exprimer. Oh non, c'est-à-dire que je crois qu'il m'a dit que ça le reposait énormément. Ne pas parler, il paraît que c'est formidable pour un acteur. Mais Mocky paye moins cher, alors, quand il n'y a pas de... De toute façon, il ne paye pas. Alors, il n'y a pas de moins cher, en moyenne moins cher. Quand on est payé à la ligne, effectivement. Mais on a mangé correctement, ah, oui. On a été hébergé, oui, et oui. En plus, on a été faire nos... Nos besoins. Non. Je voudrais me retirer tout de suite. Moi, tout de suite. Mais si, il voulait dire vos besoins spirituels. Non, c'est ce que je voulais dire, monsieur Tchernia, qui lui... Mais j'avais tout compris. Qui lui s'occupe de tout ça, très bien compris. Oui, bien sûr. Eh bien, je vous remercie, nous avons donc le mire. Vous n'avez rien... Il n'y a vraiment pas de quoi. Vous n'avez rien d'autre à nous demander? Si, je vous... Est-il vrai que... Vous n'avez pas un peu de sueur? Est-il vrai que le film... Dites donc, j'ai pas mes quittances de loyer pour... Ça ne gêne pas pour venir chez vous, il n'y a pas besoin de papier d'identité. Non, mais si, vous avez le permis de conduire. Ça peut servir. Qu'est-ce qu'il veut? De l'argent encore? Petit chouïa. Oui, pourquoi faire? Qu'est-ce qu'il veut? Des papiers? Pas pour moi, c'est pour Michel. Pour son Noël. Ah oui, bien sûr. Oh oui, moi, je donne un petit truc quand même. Oh, oui, oh. Mais son Noël, de toute façon, il va jouer Harpagon, je suppose. On m'a envoyé des oranges déjà. Mais pour les fêtes, vous savez que je voulais aussi le signaler, parce qu'il y a pas mal de avec tout ce qui se passe en ce moment, je joue pas Harpagon pendant les fêtes. Non, je joue le petit chaperon rouge. C'est une histoire de galette, d'ailleurs, un peu. Mais et je joue le loup. Ah ouais. Et mise en scène par Planchon, tout de même. Qui? Par Planchon. Non, Lombroso, qui est le directeur. Il préfère les choses pour enfants, des petits spectacles. Ça devait s'appeler Marie Roche et les avares, d'ailleurs. Voilà, oui. Alors, aux heures habituelles, c'est l'avare, quand même, parce que vraiment, je vais me faire engueuler, quand même. Et alors, après minuit, parce que le petit chaperon rouge fait déjà un spectacle un petit peu tendancieux, enfin, je veux dire, où il se passe un peu osé. Ah oui, c'est léger. Après l'avare, de 2h du matin à 6h. Le petit chaperon arde. La nuit. Très bien. Et bon, on va aller voir ça. Voilà, on a assez dit de bêtises ou... Ah oui, je crois, on doit avoir la ration. Oui, oui, ça va, maintenant on va dire... On va avoir une queue, enfin une queue, Rumagador. Non, on va avoir une queue Rumagador à 2h du matin. Oh bon, allez, ben voilà, il est parti. Mais oui, mais c'est sûr, ça devait finir comme ça. Ça devait finir comme ça. Ça doit finir comme ça. Et voilà. Oh là là, il change de côté. Venez mon petit Auteuil. Venez donc mon petit Auteuil. Il va se trouver un bout de table quand même. Mais alors, par contre, ce qui est curieux, c'est que c'est la première rencontre cinématographique, oui. Chabrol-Noiret. Oui, oui, ça étonne beaucoup, en fait, les gens, c'est très curieux. Beaucoup de gens arrivent, journalistes, et me disent, mais comment ça se fait? J'ai regardé, c'est la première fois que vous avez travaillé ensemble. Je sais pas, on doit avoir une parenté quelque part qui fait que les gens s'étonnent que ce soit notre première rencontre. On s'était croisés, on avait failli. Il m'avait proposé de tourner Que la bête meurt il y a très longtemps, et j'avais beaucoup aimé le scénario, j'avais très envie de travailler avec lui, et puis je me sentais pas assez mûr, assez libre de mon instrument, si j'ose dire. J'avais encore sûrement des blocages d'acteurs qui faisaient que je me sentais pas apte, je me sentais pas capable de jouer comme il le fallait ce personnage qu'a très très bien joué Jean-Yann, je veux dire. Ensuite, il a pensé à moi, il me l'a dit
pour les fantômes du Chapelier une première fois, puis après il a laissé tomber le projet, il y a repensé, et là je n'étais plus dans la distribution, et c'est Michel Serrault qui a joué le rôle. Bon, on n'a pas à être vexé d'être remplacé, si j'ose dire, dans l'esprit d'un metteur en scène par Michel Serrault, encore qu'il ne faille pas que ça se reproduise trop souvent. Mais enfin, bon, c'est pas honteux. Et puis, bon, cette fois-là, et puis j'avais l'impression d'avoir tourné, non pas autant que Bernadette avec Claude, mais dès le premier jour, je me suis senti vraiment dans mes pantoufles, si j'ose dire. Et je pense, j'espère, je crois que ça ne sera pas la dernière fois. Enfin. C'est ça, vous allez vous retrouver. Ça sera... Oui, j'espère bien. J'espère qu'il va rentrer dans ma petite famille et dans mes habitudes, si j'ose dire. Ça va devenir un beau-frère de Tavernier, quoi. Voilà, c'est ça, un cousin, beau-frère, oui. La bande annonce a un bel avenir. Et si Jean-Pierre Mocky est venu nous rejoindre, c'est parce que, je le disais tout à l'heure, il y a ce soir le festival de la bande annonce. Et que nous avons appris que la meilleure bande-annonce française est la bande-annonce du Miraculé. Ça fait plaisir. Bah oui, surtout quand vous me l'apprenez. Et qu'est-ce que c'est pour vous ? C'est pas Monsieur Cinéma, c'est bien vrai, il l'a vraiment. C'est bien vrai. Il y a vraiment, la soirée vient de commencer et on nous a apporté l'annonce, je dirais dans quelques instants d'ailleurs, quelle était la meilleure bande-annonce étrangère. Qu'est-ce que c'est pour vous une bande-annonce, Jean-Pierre ? Ben, c'est très important parce que ça fait venir le public seulement. Voilà, il faut qu'elle soit diffusée, cette bande. C'est tout le problème parce que les films, il faut les connaître très à l'avance. Et il y a des bandes-annonces qui passent quelquefois 6 mois. On parlait de Belmondo tout à l'heure. Je pense que ces bandes, ces affiches sont dans les cinémas 6 mois avant. La bande du Miraculé, il y a été à peu près 3 semaines avant. C'est déjà pas mal. Mais si j'ai fait cette bande-annonce, c'est parce que aujourd'hui c'est très difficile d'annoncer son film. Et j'ai voulu le faire moi-même parce que tous les projets qu'on nous avait soumis n'étaient pas extraordinaires. Alors j'ai essayé de faire autre chose, je me suis dit je ne ferai pas pire. Et il me semble que la bande-annonce doit surtout être quelque chose tout à fait particulier, qui incite à aller voir un film particulier et qu'elle restitue le style, la personnalité de l'auteur. Eh bien c'est le cas de cette bande-annonce du Miraculé, qui est à la fois drôle, provocante, curieuse, bizarre, tous les adjectifs qu'on peut accorder quand on a l'admiration et l'amitié que j'ai pour notre ami Mocky. Claude, il y a très peu de films, très peu de vos films, où il n'y ait une ou plusieurs morts violentes, quelques suicides, quelques blessures, quelques suicides au couteau. Très souvent. Oui. Très souvent, non mais quasiment tout le temps. Oui, oui. On chercherait difficilement les films où il n'y a rien de ce genre-là. Oui, mais chez les autres aussi, à vrai dire. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup utiliser le principe de la mort violente dans les films. Mais c'est parce que j'ai toujours aimé le policier. C'est un genre qui m'a toujours plu. Je crois que en général, il est bon de faire participer les films que l'on fait à un genre, quel qu'il soit, et j'ai une légère tendance à aller plutôt du côté... Oui, c'est un euphémisme, c'est carrément le goût du sang. Oui, non, c'est pas le goût du sang, non, mais c'est le goût du polar. Quand on va au cinéma, quand on voit un film de caractère policier, enfin qui appartient au genre policier, en général, à peu près tout le monde peut, si le film est réussi, peut s'y intéresser. Alors qu'il y a des sujets qui ne se rattachent pas à un genre, et surtout à celui-là, qui finissent par ne pas intéresser des gens. Vous savez, dans le cinéma, il y a quand même une partie du public, et même presque tout le monde, qui veut qu'il y ait en plus que tout ce qu'on peut amener, tout ce qu'on peut apporter au film, tout le soin qu'on peut apporter, tout l'art qu'on peut y mettre, ils veulent aussi que ça soit un petit peu comme un bouquin qu'on achète quand on va prendre le train, ce qu'on appelle la littérature de gare, qu'on achète le bouquin, qu'on ait le temps de le lire pendant le trajet, qu'on puisse le jeter une fois que le trajet est terminé. Alors, il y a aussi ça dans le cinéma. Je crois que c'est indispensable d'y penser. Facilité, c'est pas péjoratif. Oui. Mais c'est quand même une commodité pour un scénariste. Ça permet une structure. Oui, non, d'abord, ça permet une structure. Et puis, je crois qu'il est plus facile de dire des choses complexes en ayant finalement une forme simple. Que le contraire, que d'essayer d'exprimer les choses simples d'une façon compliquée. Mettez tout sur les personnages après. Oui, c'est ça. Non, c'est, j'ai relevé,
Guylaine aussi a tout lu sur vous, mais j'ai relevé une de vos phrases très importante. J'aime les intrigues simples avec des personnages compliqués. Oui, c'est ça. Et c'est une doctrine que vous avez quasiment toujours appliquée. Parce que je crois que ça correspond à peu près à la vie où il est absolument impossible de... Les méandres de la vie sont tellement compliqués qu'il est absolument impossible de les suivre vraiment. Alors, il est plus intéressant d'essayer de voir avec une intrigue très simple comment les choses se compliquent justement par le simple principe de la nature humaine. Je crois que la nature humaine est très compliquée et c'est ce qui la rend passionnante. D'où l'importance des acteurs d'ailleurs. Ah bah absolument. Et la rencontre d'ailleurs avec Michel Bouquet dans La femme infidèle. Oui, je l'avais déjà utilisé une fois Michel dans un petit film qui s'appelait Le tigre se parfume à la dynamite où il incarnait l'ignoble Vermorel. Un film que vous aimez bien, La femme infidèle. La femme infidèle, j'aime bien, oui. Combien d'étoiles ? Oui, j'aime bien. Ah, ben, vous savez, c'est difficile parce que tous mes films, je les aime un petit peu. Même les canards boiteux, il y en a qui sont monstrueux. J'ai fait des navets absolument épouvantables. Et j'ai quand même une petite, de temps en temps, un petit amour. Donc ça va être dur de les classer. Oui. Je mets en garde nos amis téléspectateurs qui ont l'intention de concourir. Je les mets en garde contre le côté éminemment farceur et mystificateur de Claude Chabrol. Alain Souchon, bonsoir. Bonsoir. Je sais que vous êtes tellement content de vous retrouver. Vous avez plein de petits potins à vous raconter. Oui, ça va. Bonjour. Vous étiez tellement content de tourner ensemble, non? Ah, moi j'étais très content de tourner avec elle, oui. Et le scénario, tous les deux, vous avez été enthousiasmés dès le départ. Tout un film en duo, c'est difficile, non? C'est-à-dire que moi, je n'ai pas lu le scénario tout de suite. Il a été fini au dernier moment. Moi, j'étais très content quand Doyon m'a demandé de tourner avec lui parce que je l'aime bien. J'avais vu La Drôlesse, j'avais trouvé que c'était un chef-d'œuvre. Et puis, il avait envie de faire une comédie avec Jane. Oui, en plus. Une vraie comédie, alors, au départ. Alors, moi, j'étais emballé sur la jalousie. Je me disais, ça va être formidable. Elle va se taper le facteur, et puis je vais arriver, elle va l'enfermer dans le placard, D'après ce que j'ai compris, il n'y a pas de facteur, car c'est un film c'est à deux personnages. C'est lui le facteur. C'est le facteur, c'est pas le plombier, c'est le facteur. Voilà. Alors j'en remarque une chose quand même très réjouissante, c'est qu'ils se sont embrassés comme des gens qui se sont bien entendus. Vous êtes tourné combien de mois? Cette semaine, huit semaines. Au moins. Ils se sont bien entendus. Mais comédie, alors là je vous pose une question un peu traîtresse. Comédie, est-ce que c'est vraiment... une comédie ou est-ce que c'est un titre un peu racoleur? Parce que je précise pour nos téléspectateurs qui connaîtraient mal les films de Doyon que Doyon a été révélé très jeune par un très beau film qui s'appelait Les Doigts dans la tête. Il a fait quelques très beaux films, il a fait, je crois, avec Jane, c'est son troisième film avec vous. Oui. La fille prodigue, la pirate et comédie. Oui. Est-ce que c'est vraiment une comédie ou est-ce que c'est un titre un peu racoleur? Parce que Doyon n'a pas écrit franchement et réalisé des vraies comédies. Oui, je dirais que c'est vraiment drôle et vraiment triste. Bon. Et vraiment gonflé. Non, c'est vrai, hein, c'est gonflé. Vous avez rigolé pendant le temps. Ah, pas tellement. Sur comédie, c'est un point d'exclamation à la fin du titre comédie. Il y a un point d'exclamation pour montrer deuxième que... degré. Ça aurait pu être drame avec le même point d'exclamation, d'ailleurs. Oui. Mais c'est une... Mais non, hystériquement drôle. Non, c'est vrai. Écoute, tu connais beaucoup de filles qui entrent dans la salle de bain et qui mettent plein d'eau dans leur poche et puis qui sautent dans la piscine pour que leur mari les pêche. Qui mettent quoi? Beaucoup. Qui mettent et qui se noient pratiquement pendant le tournage. Pardon, mais qui se noient pratiquement pendant le tournage. Des OB. Oui. Alors, non, mais parce qu'elle voit des traces dans la maison de les gens qui sont passés avant lui. Non, ils avaient des OB, j'ai compris ça. Mais... Oui, voilà. Ah, mais je pensais que c'était un mot anglais. Je vous demande pardon. Non. Je trouve que vous parlez de mieux en mieux français. Non, c'était très bien d'entendre le premier assistant les commander à la pharmacie, le vocal qui est par contre. C'est un film sur la jalousie et toutes les femmes, il faut qu'elles aillent voir ce film parce que c'est un film sur la jalousie qui concerne toutes les femmes. C'est une comédie sur la jalousie. Je suis très jalouse. Bon, mais c'est un sujet qui a servi à beaucoup de comédies, ça. Quoi? Ça a servi à beaucoup de comédies. Othello, vous savez, Othello de Shakespeare, c'était pas une comédie, mais c'était vachement drôle. Ça aussi. Ah bon, c'est dans le même genre de drôlerie qu'Othello. Écoute, si on aime, on est prêt à tout. Voilà. Alors, moi, je l'aime. Lui, il a un passé louche, c'est sûr, parce qu'il est séduisant, attractif, etc. Donc, elle je soupçonne qu'il y a des... Mais elle oui, c'est évident qu'il a eu de la passage. Vie, elle, il est très attractif. Oui, il est très attractif. Souchou est très attractif, je vous le dis en or. Jane, vous êtes très attractif. Souchou est très attractif. Vous êtes une femme jalouse dans la vie. Oui. Et il est très attractif. Donc c'est presque la réalité. Voilà. C'est donc pas... Dites donc, l'attractif comédien. Vous ne chantez plus? Vous chantez moins, alors? Oh, je m'arrive de chanter, si, oui, je fais des disques, je suis en train de faire des chansons, là. Quand vous tournez,
Quand vous tournez pendant 2 mois, vous n'avez pas le temps ni de préparer les chansons, non. Vous vous consacrez entièrement au tournage. C'est pour ça que je sors des disques un peu plus rarement que je devrais. D'une façon plus parcimonieuse, comme dirait très justement Jane Birkin. Parcimonieuse. Tu sais dire parcimonieuse. Jamais. Dis-moi ça encore. Parcimonie. Est-ce que c'est utile comme mot? Ah oui, c'est un peu le carré de la conversation avec n'importe qui. Avec parcimonie. Parcimonie. Bon, nous ne pouvons pas malheureusement vous présenter un extrait de comédie. Je dis, on ne peut pas malheureusement, c'est Jacques Vaillon qui l'a demandé pour ne pas dévoiler ni la fin, ni l'esprit du film. Nous ne pouvons oui, pas, malheureusement. C'est dur à montrer des bouts. Ça dépend des films. C'est vrai que je ne vois pas bien l'extrait qu'on aurait pu sortir pour donner... Bon, et ben voilà. Nous ne vous montrerons pas. En fait, ce n'est pas du tout... Il n'y a pas d'hélicoptère, il n'y a pas de voiture qui dérape, et tous ces trucs-là. Il y a nous qui dérapons tout le temps. Et c'est moderne quand même. On dérape. Il n'y a pas d'hélicoptère. Alors, comédie qui sort demain sur tous les grands écrans français. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Soyez les bienvenus dans ce Théâtre de l'Empire où ce soir vont se passer des choses étonnantes puisque nous avons des acteurs superbes qui vont venir nous rejoindre dans quelques instants. Vous aurez bien entendu des jeux auxquels vous participerez au moins par la pensée et puis des cadeaux qui vous concernent, un caméscope pour un téléspectateur, un caméscope pour un spectateur du Théâtre de l'Empire bien entendu et pour l'équipe victorieuse. Cela va de soi. Nous allons accueillir ceux qui seront nos vedettes ce soir et en même temps les concurrents. Voici tout d'abord, pour l'équipe A, j'ai le plaisir de vous présenter Bruno Cremer. Mon cher maître, je vous en prie. Mais non, il commence, si vous voulez bien vous installer ici. Merci infiniment. Il sera aidé de son complice et ami Jean-Luc Bidault. C'est Hollywood ce soir. Hollywood, ici s'il vous plaît Jean-Luc. Voilà. L'autre équipe, et j'ai cru constater au départ qu'il y avait une certaine animosité entre les deux équipes qui sont prêtes à s'entre-déchirer. Pour l'équipe B, Jacques Weber. Bonsoir Jacques. Oui, bien et vous-même. Je vous demandais d'avoir la gentillesse de vous asseoir ici. Voilà, s'il vous plaît. Et également concurrent de l'équipe B, Ariel Dombal. Alors là, mes enfants, c'est une folie. Bonjour, Kennedy. Je vous demandais de vous asseoir à côté de moi. Je ne suis pas fou. Bon, et puis bien entendu, tu veux, Nino, que je sois sur cette caméra-là ou celle-là a les mêmes avantages, peut-être celle-là quand même. Oui, elle est mieux. Nous allons parcourir ensemble, tout au long de la soirée, l'actualité cinématographique.